Salut les filles. Ça vous dit un tour de vélo? Non, merci. Je vais travailler mon anglais. J'ai eu une note catastrophique aujourd'hui au contrôle. Martine! Je peux t'aider à réviser si tu veux. Tu peux faire confiance à Simon. Il a fait décoller ses notes en apprenant des chansons de rock. I'm a rocker. I'm your teacher. I am, you are, he is... Allez, viens avec moi à la gare. Ça te fera oublier ta mauvaise note. Papa revient déjà de son reportage? Non, ma chérie. Mais je vais chercher un de ses amis qui passe quelques jours chez nous. Et il est anglais. Il vient faire quoi ici, l'ami de papa? Tout ce que je sais, c'est qu'il vient visiter le musée d'histoire naturelle. Il est professeur d'université. Oh, c'est un vieux schnock alors. Les vieux schnocks, comme tu dis, ça peut être utile. Tu pourrais améliorer ton anglais avec lui. Tu déménages? Toi aussi, tu fais tes paquets? Oh, m'en parle pas. On doit laisser notre chambre à un ami de mon père. Tiens, prends ça. Et s'entasser dans la chambre de Martine. Oh, ne vous plaignez pas. Au moins, vous pourrez jouer à la poupée. Martine, je te présente le vieux schnock. Hello, Bruce. Pleased to meet you. Contente de te rencontrer. Oh, oui, moi aussi. Pleased. Very pleased. Je vais vider le placard. Et vous pourrez mettre vos affaires ici, Bruce. Ah non, c'est mon placard. Merci de laisser votre chambre à moi, les gars. Avec plaisir. Et viens, je vais te montrer ma panoplie d'Indiens. Ce soir, on jouera au cowboy si tu veux. Mais d'abord, je dois garer mes dinosaures. Garer vos dinosaures? Ça doit pas être le bon mot. Je viens voir les dinosaures du musée. Je travaille avec eux. Je ne peux pas vous conduire là-bas, j'ai du travail. Martine va vous montrer où passe le car. Il vous déposera juste devant le musée. En plus, vous pourrez en profiter pour parler un peu anglais. Martine, je t'ai apporté les disques et les paroles des chansons pour ton anglais. Ah oui, j'avais complètement oublié, merci. Mais ce n'est plus la peine, j'ai un professeur d'anglais particulier maintenant. Bruce, attendez, wait. Alors comme ça, vous êtes dinosaurologue. On dit paléontologue, en anglais, paleontologist. Inga, 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 wa. Inga, 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 wa. Inga, il reste inga, longtemps, inga, Bruce inga, wa. Deux jours. Oh là là. Alors, Bruce, vous avez trouvé ce que vous cherchiez? I did indeed. Oh, tu connais the giant lizard? Le lézard géant? Of course. It's, une clairière, une... A clearing! A clearing in the forest. Very good, Martine. Perfect. Merci. On va souvent y jouer. Je me suis toujours demandé pourquoi ça s'appelait comme ça. Parce qu'on a trouvé l'empreinte d'un gros lézard. L'empreinte d'un gros lézard. Oui, je me rappelle de cette histoire. On m'en parlait quand j'étais petite. Je veux voir l'endroit. Je peux vous emmener? Comme ça, j'apprendrai de nouveaux mots. Je connais déjà. Clearing, giant and lizard. Vous pourriez y aller demain. C'est demain que Thomas rentre de voyage. Ça vous donnera l'occasion de vous voir un peu. Merci, avec plaisir. Si les garçons me prêtent leur chambre one more night. Oui, je vais les prévenir qu'ils sont d'accord. Ça se saurait s'il y avait des dinosaures dans le coin, non? J'en ai assez d'être ici, moi. Je vais retrouver mon lit, on est serré comme des sardines dans ta chambre. Oh là là, une nuit de plus, c'est quand même pas si terrible. Goodbye. Il s'incruste un peu trop à mon goût, le prof d'anglais.
Pousse-toi, Alain, tu prends toute la place. Tais-toi, Alain, tu m'empêches de dormir. Good night, les grognons. Voilà, c'est ici le lézard géant. On cherche quoi, en fait? Un dinosaure. Oh, il n'y en a pas, c'est sûr. Je joue souvent ici. Je l'aurais vu, quand même. On cherche seulement des traces, des os, un fossile. Everything can help. Tout indice peut nous aider. Il faut regarder les pierres, the stones, gratter un peu la terre, the ground. Salut tout le monde! Ici, c'est une zone de fouille. Vous fouillez quoi? La terre! On cherche des os de dinosaures. Et vous allez tout nous chambouler avec vos vélos. Allez, viens. Tu vois bien qu'on dérange. Et regarde ce que ma mère m'a donné pour le pique-nique. Tu connais le comble pour un paléontologue? C'est de tomber sur un os. J'ai trouvé! Bruce! Ce n'est pas un dinosaure. This is a chicken bone. Un os de poulet. C'est juste les restes d'un. Comment on dit pique-nique en français? Pique-nique? Ah, d'accord. Je vois d'où il vient, le chicken bone. Martine! Look, j'ai trouvé! Ça, c'est un vrai dinosaure. Un os de Tarbosaurus. C'est incroyable! Il doit y en avoir d'autres tout autour. C'est une découverte majeure. Je dois voir la mer tout de suite. Il faut organiser des recherches. Au fait, comment on dit une blague en anglais? Joke. Why? Parce que The Chicken Bone, c'était une joke de Jean et Simon. Et si on leur faisait une blague, nous aussi? Bruce dit que c'est une découverte très importante. Il est vraiment génial, ce Bruce. Quel paléontologue brillant. Ah ouais, question os, il est super fort. Bruce va devenir très célèbre, et nous aussi d'ailleurs. Quoi? Hein? Papa va sûrement faire un reportage sur toute cette histoire. Quoi? Mais en fait c'est... Toute la carrière de Bruce est en jeu. Et l'avenir de notre village aussi. Attends, Martine, il faut qu'on te dise. Ce n'est pas un os de dinosaure. On a voulu faire une blague et on a enterré un os de poulet. On pensait que Bruce verrait la différence. Oh non, mais ce n'est pas vrai. Vous avez fait ça. Oh, c'est terrible. Bruce va se ridiculiser devant tout le monde. Viens, il faut qu'on le rattrape avant qu'il parle au maire. Monsieur le maire! Pas maintenant, je n'ai pas le temps. Les journalistes m'attendent. Oh, trop tard. Il faut parler à Bruce. Il n'y a que lui qui peut tout arrêter. Oh là là! Papa est revenu avec un caméraman. Quoi? Il est en train d'interviewer Bruce pour la télévision. C'est une découverte extraordinaire. Le Tarbosaurus était un dinosaure carnivore qui vivait dans la région il y a 60 millions d'années et... Non, arrêtez tout. Les garçons, vous gênez là. Vous ne voyez pas qu'on est en train de filmer? Justement, il ne faut pas. Ce n'est pas un dinosaure. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous n'allez pas faire la leçon à un paléontologue quand même. Allez,
On continue. Non, c'est un os de poulet. Un os de poulet? Ma carrière est finie. Completely ruined. On est vraiment désolé. On l'a enterré juste pour faire une farce. On ne pensait pas qu'un os de poulet ressemblerait autant à un os de dinosaure. Je sais bien que c'est un os de poulet. Évidemment qu'il le savait. Il l'a toujours su. Moi aussi, d'ailleurs. Bon, alors, mettez-vous d'accord. C'est du poulet ou du dinosaure? C'est du 100% dinosaure. On va dire qu'on a tout avoué devant la caméra. Il faut effacer l'enregistrement. On ne peut pas. C'était du direct. Hein? On s'est ridiculisé devant le monde entier? Mais non, je blaguais. Ce n'était pas du direct. On avait bien droit à une petite revanche, non? Un point partout. Match nul. Alors, on fait la paix? Bien sûr, Bruce. Avec plaisir. Très bien. Jean, tu vas être très heureux d'apprendre la nouvelle. Je m'installe ici pendant toute la durée des fouilles. C'est formidable, non? Avec Bruce à la maison, c'est le 18 assuré à mon contrôle d'anglais.